gens, ici Kevin Balmar, le chevaucheur de dragon, pour vous servir. Hey, hey. Et nous voici dans le jeu Dragon Prophet. Oh punaise, tu sais pas à quel point j'ai attendu ce moment pour réussir à faire ce truc avec la musique et tout. Hein. Donc, Dragon Prophet, ça parle de quoi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais exactement vous refaire comment j'ai fait pour tomber sur ce jeu et pourquoi j'ai décidé de vous le faire, là, tout de suite sur le coup. Alors, je cherche un petit jeu à montrer aux Valjean, gratuit si possible, puisque jusqu'à maintenant, je n'ai présenté pratiquement que des jeux assez chers et payants. Alors, oh tiens, un petit MMO, allez hop, on reste classique. Alors, ah, tiens, Dragon Prophet, j'adore les dragons. C'est pas pour rien que je suis entouré de 15 posters de dragons. Enfin, 15 posters qui montrent en premier plan, enfin, oui, voilà, au premier plan, un ou plusieurs dragons. Oui, je suis entouré de dragons, j'adore les dragons, je kiffe les dragons. Donc, Dragon Prophet, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu où tu peux élever un dragon de l'état de l'œuf jusqu'à l'âge adulte, et il te permettra de devenir ton compagnon de voyage, puis ta monture, puis ton allié de combat. Ok, je signe où? Non, non, sérieux, ce jeu, c'est juste pour moi un kiff. Voilà, ce jeu pour moi c'est juste un kiff, c'est l'idée même d'avoir un dragon non seulement comme compagnon de voyage, mais en plus comme monture et comme allié de combat. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce jeu avant? Donc voilà, alors j'espère juste que je vais pas avoir l'œuf dans les 30 minutes que je vais vous faire, parce que sinon ça voudrait dire que je dois vous envoyer rapidement cette vidéo pour que vous me dites si vous voulez oui ou non la suite, comme ça je peux m'occuper du petit dragon, que je m'occupe bien de l'œuf, tout ça, etc. pour avoir un bon dragon, un bon monstre, parce que j'ai vu à quoi ça ressemble à un dragon adulte abandonné. Putain, est-ce que c'est gros ces machins? Donc voilà, allez, je vais créer un personnage et on se retrouve à l'intro du jeu. Et je vais nous faire un gardien. Yeah, regarde, une épée à deux mains. C'est bon. Un personnage qui peut avoir une épée à deux mains avec une super armure, un dragon, c'est bon ce jeu. Meilleur de l'année, c'est bon. Star Wars The Republic est génial, mais voilà. Dans ce jeu, il y a des dragons. Voilà, tu chevauches des dragons. Tu peux me sortir les rancors, ça ne vaut rien face aux dragons. I sent to this realm. All I received in return was shame and disgrace. Oratia has betrayed me, and for its treachery, it will be consumed. Hey, on your feet. It's good to see you can still stand on your own. This village is currently under attack by a horde of zombies. What? Attaqué par ça, on évite tout décalage sonore ou quoi que ce soit. Alors, on peut se déplacer ainsi. Ouais. D'accord. Appuyez sur échappe pour accéder au... D'accord. D'accord, t'es gentil, tu me veux quoi le machin là? Oh! Bon d'accord, alors je suppose qu'il faut qu'on sorte. Ce serait un bon début, en effet. Their onslaught is rushed them before it's too late! Ah ah! Ça va! Niveau gameplay, c'est simple! Vraiment sympa comme jeu, hein. Au niveau du graphisme, c'est super bien. Hein.
sang. Fuck, c'est quoi ce truc? Oh, je veux le même. Je veux ce dragon. Corrupted dragons as well. If you want to live, focus on the venomous doom dragons first. They're attacking from above. Quoi, attends, les trucs avec les, la morve verte, c'est des dragons? Je regarderai vos astuces là juste après, d'accord? Ah ah, alors attends. Faut que je regarde parce que quand même ça me parle. Alors, tac, ok. Tac, ça j'ai compris. On peut également utiliser des raccourcis pour les compétences. Ouais, j'ai vu ça en bas. Appuie sur la touche espace deux fois pour faire un double saut. Appuie sur la touche SNES pour courir. Appuie sur Q, D. En maintenant la touche Shift enfoncé pour rouler à gauche ou à droite. Ok. C'est tout de suite en mouvement. Là. Et limité avant. Ok. Ok. D'accord, ok. Gentil, je vais essayer de m'en sortir en vie. Là, je fais que ce que le jeu me dit de faire. Hein. D'accord. D'accord, ok. Ok. Attends là! On voit pas pourquoi, mais bon. Là c'est du massacre de touche, hein, on est d'accord. Bon là c'est gentil, là pour le moment les monstres ne ripostent pas, mais ça me paraît bizarre. Oui, mon personnage s'appelle Néodras en fait, pour ceux qui se demandent. C'est un nom elfique. Normalement je donne le nom de Néodras au fils. Valmar, mais bon. Vu que Valmar ça passe les fois, je suis donc parti sur l'option numéro 2, à savoir le nom du fils, donc Théodras. Bon, qu'est-ce qui se passe, what the fuck? Donnez-moi une explication logique! Ah oui, c'est ça peut devenir très très grand un dragon. Ok. What? Get him down from there. Always a problem. Quoi, le terrassé? La patte gauche.
jouer. À l'attaque. Allez, pour le marade. Attendez, vous pouvez maintenant utiliser l'interface de maîtrise. N. D'accord, N. C'est pas trop le moment, mais bon. Bon, je choisis un truc au hasard là, hein. Est-ce qu'un jour je pourrais avoir un dragon qui fait cette taille? The moron! We have to find out who's behind this attack! Stop him and save Furania at once! Tu veux que je fasse? T'as vu ma... Tu m'as vu? Je suis que dalle! Tu veux que je fasse quoi? Que je leur balance mon épée? À la limite, je peux faire ça. Mais je suis pas sûr que ce soit très efficace. Captain, the attack failed. Oh, it hasn't failed. We can slaughter the Osira if we distract Sebosha. I'll have you know. You escape my icy grip. Relais Valjean, bon, voilà, voilà. J'ai rien compris. Et j'espère que ça n'a pas trop lagué pour vous. Et j'espère que la musique du jeu est pas trop forte. Alors, je vais faire exactement ce que le jeu me dit de faire, ok? Tout collecter. Étoile déchue. Ah bah j'ai tout collecté, qu'est-ce que je fais après moi? Je vais acquérir un titre. Où est-ce que je trouve ça moi, le titre? Attends, je l'ai peut-être raté. Zut! D'accord, alors, passez sur la page titre. Pour sélectionner les titres que vous venez d'obtenir et équiper. D'accord, ok, t'es gentil, mais bon. C'est où titre? Parce que moi je vois pas, hein, personnellement. Ah, c'est sur le côté. Oui, bah il faut le dire aussi, là, regardez. On va utiliser. Ah, équiper, oui, d'accord, ok. Ah d'accord, je pourrais choisir la tenue, tout ça, etc. Ah, c'est sympa ça. Trouve Hunter. Eh bien, trouve Hunter. Hunter! 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 Ah, Hunter. You need something? Alors par contre, il y a quelques petits lags avec Fraps. J'espère que ça ira, parce que si jamais, là, durant la vidéo, durant les cinématiques plus précisément, il y a eu trop de lag, ça a créé trop de problèmes, etc. etc. On devra passer sur Shadowplay, et je sais pas si Shadowplay refonctionne parce qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour au moment où je vous parle. Donc est-ce que oui ou non j'ai... est-ce que oui ou non ça remarche? Est-ce que nous n'avons fait les grésillements? Au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout. Je m'appelle Hunter Raymond et je suis maire. Merci. Voir mon sac. J'aurai un truc dans le sac. Mais non, pas ça. Mon sac, c'est quoi mon sac? Sac, CB. Pas trop. Oh, trop cool. Ah, mais non, mais pas te soigner, la maître là. Pourquoi je garderai la val tenue? Ça sert à rien, ce truc.
aller dans le raffinement. D'accord, ok. Ok, vous avez obtenu un marché. Un objet de marché sera fort utile. Alors, j'imagine que vous venez d'assister au spectacle de chasseurs postés. J'accepte, vas-y, balance. Alors, les chasseurs ne vont jamais, ne sont jamais revenus. Rendez-vous au pied de... Alors mes moutons, j'ai besoin de quelqu'un pour me les ramener. Keep your guard up. Attends. C'était quoi la quête? Mes moutons ont pris peur. J'ai avec moi de la rhum de vanille que les moutons pourront sentir. Revenez en les guidant doucement un par un. Si vous éloignez trop, il ne sentira pas la vanille et ne vous suivra pas. Parlez-moi de nouveau et je ferai en sorte que vous sentirez pour un court moment. Ok. D'accord. Alors là, par exemple, si je vais là... D'accord. Donc, je parle à la madame. Elle va donc me faire sentir une odeur. Alors, combien de temps ça dure? Je sais pas. On va bien essayer. Coucou, toi. Et le mouton, suis-moi. Suis-moi. Hein? Bien, gentil mouton. Bien. Et d'un. Something isn't as it. Keep your guard up. Vas-y, encore une fois. Mouton, suis ton maître. Oula, celui-là, je sens qu'il va mettre un peu de temps à vouloir venir. C'est les quêtes de début, on a l'habitude, c'est comme dans tout MMO, hein, c'est... Tu commences en bas de l'échelle. Aller trop loin. Hey! Veuillez réessayer. Non mais hey, c'est quoi cette blague? Madame? Voilà. Le mouton! Au pied! Je suis là! Regarde! Ton maître! Je cours même pas! Mais qu'est-ce qu'il me fait à chaque fois ce... Oh! Du con! Je m'énerve! Sale mouton! Et regardez! Il veut pas me suivre à cause de l'arbre! La vanille, maintenant! Je vais en choisir un autre hein, qui est rapide parce que l'autre là il m'a énervé. Mouton, voilà. Ah bah en voilà un qui est énergique. Voilà, ça c'est bien. Et moi. Enfin un qui fasse preuve d'intelligence. Et de deux, Madame Vanille. Petit. Tsuo, tu sembles être un bon sujet. Oula, il est parti où lui? Suis-moi! Oh non, je suis encore tombé sur un long. D'accord, alors là... Voilà. Suis-moi. Tout doucement.
mais sûrement. Deodras Valmar, chercheur de moutons apprivoisés. Je vous jure, ces moutons. Dès que j'ai mon dragon, je reviens et je les crame. Allez, dépêche, plus que 12 secondes, je vois en haut maintenant. J'arrive enfin à trouver où. Vite! Dépêche! Voilà, merci, t'es gentil. Allez-y, pulvérisez-moi même. Suis-moi! Ah, un énergique! C'est bien! Je préfère ceux qui bougent vite. Ah! Nothing surprises though with strength. Toi là, tu m'as l'air d'être un énergique. Hein, qui a la bougeotte, pas vrai? Ah, c'est bien. Grand Dieu, merci. Enfin! Allez, alors le journal de quête, c'est quoi déjà? Comment je fais pour y accéder? C'est J, d'accord, c'est J tout simplement. Comment qu'on fait déjà pour récupérer les récompenses? Il faut qu'on parle aux gens? Vous croyez qu'il faut leur parler? Something isn't as it seems. Keep your guard. Ah d'accord, l'objectif il est là-bas. Eh, faut le remarquer le petit point. Mais dis donc. J'ai autorisé à me suivre? Non, alors tu dégages. C'est bien ce que je craignais, ça a attiré l'autre. Bon, au moins ça me donne de l'XP. Un anneau. Ah bah ça, je peux me le faire l'anneau. Ça, je peux l'avoir l'anneau, maintenant, tout de suite. Dégage. Les chasseurs. Et lesquels de chasseurs? Plus d'indications, ce serait trop. Attends.
facile, Katsuru. Ouais, d'accord, t'es gentil, t'as Katsuru, mais... Voilà, c'est où sur la carte? Bon, alors on sait que je suis quelque part par ici. Attendez, à vos postes. Ah ah! Oui, bah il faut que je retourne voir le chasseur qui m'a donné la quête, quoi. Vous pouvez pas juste le dire? Retourner voir le chasseur qui vous a donné la quête? C'est trop compliqué! Oh là là. Capture. Capture, capture. Je vois le truc capture en bas, mais. Est-ce que tu peux me dire que là je peux capturer un dragon là maintenant tout de suite? C'est la première fois que je rencontre. J'ai été capturé le premier jour, mais j'ai réussi à me choper. Par qui? Les maraudeurs vêtus de noir font partie d'une étrange organisation séditieuse. J'ai vu leur chef avant de m'enfuir. J'ai entendu qu'il s'appelait Padrol le Raptor. Il doit s'agir du commandant de l'ombre mentionné par Sabocha. Il se peut que le maraudeur pilleur soit le cerveau dont Sabocha a parlé. Mais par contre, pour qu'il se fasse appeler le Raptor, c'est qu'il a vraiment aucune idée de nom. Alors, au fait, pour le moment, nous n'avons toujours pas fouillé de l'autre côté de la faille. Cette forêt est un peu perdue, celui qui a invoqué. Pour ceux qui ont probablement, peut-être... Mais en réalité, je m'inquiète davantage du cas des bûcherons qui vivent dans le camp situé dans cette zone. Puis-je vous demander d'y jeter un œil? Il devrait encore en vie. Le pont est cassé, vous devez donc voyager à d'autres dragons comme cela. Puis un moment que nous nourrissons des dragons sauvages, tous ces dragons verdoyants, prédateurs, sont plus dociles et devraient être faciles à capturer. Tenez, prenez ça, cela vous aidera à les dompter. Rendez-vous voir quand vous aurez capturé un dragon. Ah, c'est ça qu'on veut. Pourquoi ça n'accepte pas? Encore des problèmes de réseau. Ouais, parce qu'habituellement, quand ça fait ça, ça veut dire que le réseau a un petit peu planté, là, pour nous. Alors écoute, moi je veux bien faire tout ce que tu veux que je fasse. Mais comment tu veux que je... Attends. Là, on va arrêter 2 minutes, là, mon petit gars. Et ben voilà, merci. Alors qu'est-ce que j'ai? Capture de dragon, transfert, sauter. Ok, alors transfert, tu vas me mettre. J'ai dit transfert, tu vas me mettre ici. Et sauter, ça va, je crois que ça va à ce niveau-là. Appuyer sur espace. Aver. Bouton. Non, attendez. Les gars, il est passé où le machin? Bon, on va faire comme si de rien n'était. 35. 36, 37. Je veux un super dragon. Point de maîtrise. Et ben voilà. Ah d'accord, faut que je réussisse ça. D'accord, ok. Maintenant je comprends. Attendez. Alors, ce serait bien si ça fonctionnait, là, maintenant, tout de suite. Ah, d'accord. Je faisais level 99, je me disais, what? Attends. Je vais y arriver. C'est pas ça. A été déconnecté, veuillez vous reconnecter. Bon, bah de toute façon, c'est pas grave. Donc sur ce, les joueurs, en plus, portez-vous bien, mangez des coquilles, vous connaissez la suite, et ciao ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Et, donc, est-ce que vous voulez ce jeu dans notre catalogue de jeux à faire? Bon, pour le moment, j'ai pas encore mon dragon élevé depuis l'âge de l'œuf. Mais un jour, je le ferai. Et je ferai tout pour que ce soit un dragon hyper classé badass. Et hyper puissant, aussi, surtout. C'est, voilà.
Donc voilà, on lui donnera un joli petit nom et tout, hein, on l'appellera, alors pas Val Dragon, c'est sûr, hein, on n'est pas con non plus, on va lui donner un vrai nom de dragon, donc soyez inventifs, trouvez-moi des noms de dragons, tiens, si on fait la suite de jeu, trouvez-moi des noms de dragons. Donc allez, à plus les Valjean, sur ce, portez-vous bien, mangez des cookies, venez essayer la suite, et ciao ciao, on se retrouve pour de prochains épisodes, de peut-être des vidéos de vacances d'été ou d'autres choses, on verra bien, allez, à plus.